Il y a beaucoup de snaps qui demandent le tatouage. C'est ah, voilà. C'est quoi? Voilà, c'est quoi ce qu'on allait demander aussi. C'est ce qu'on allait demander. On veut savoir ou pas? Oui. Alors, quel est le tatouage? Effectivement, ça revient beaucoup sur le chat là. Je vois une fusée d'ici, alors, mais pas du tout. J'ai 6 tatouages. J'ai une fusée ici. Ah, une fusée. Très bien, c'est d'actualité cette semaine. Voilà. Tout à fait. J'ai celle-ci, donc c'est une constellation Sagittaire. Ah, donc tatouage espace. J'adore l'astronomie, c'est ma passion. Comme moi. C'est vrai? Ouais, j'adore. C'est vrai, mais vous êtes faite pour... Mais t'as fait des vidéos sur l'astronomie déjà ou... J'ai une vidéo où je présente en fait mes livres d'astronomie. Mais quel livre? Mais moi, c'est passionnant, c'est génial, parce que du coup, il y a plein de jeunes qui te regardent et ils te regardent autant pour des conseils beauté. Moi, ça m'intéresse, les vidéos sur l'astronomie. La quoi? Là? L'astronomie. Oui, mais j'ai quoi? Excuse-moi, j'ai compris complètement autre chose. J'ai compris, je vais te dire à l'oreille, la vidéo sur l'astronomie. Je peux savoir. Et comment dire? Et donc, du coup, l'astronomie, c'est quoi comme qui t'intéresse? C'est les étoiles? C'est tout, en fait, tout ce mystère. C'est bête ce que je viens de dire. C'est quoi qui t'intéresse dans l'astronomie? Oui, c'est vrai, il y a tout, en fait. Il y a tout ce mystère, en fait, avec l'astronomie. Pour apprendre les trous noirs, le système solaire. Non, il y avait des nuages. Il y avait des nuages. Ah, on en a tous ressenti les effets de la super moon. On n'a pas dormi pendant une semaine. Je me suis dit, yeah, je vais la voir. Non, des nuages. Merci beaucoup. Éric Moret, il demande quel âge tu as. C'est pour toi, Madame Patachou. Et il faut faire une dédicace à Evan qu'on le fait. Moi, j'ai 31 ans. Mais tu fais beaucoup moins. Tu fais pas du tout 31 ans, figure-toi. Il y a des gens qui nous demandent justement tes réseaux sociaux où on peut te retrouver, qui n'est pas du surpateur. Donc, du coup, on est d'accord que tu as Instagram. Instagram, c'est Estelle Fitz. Estelle Fitz. Twitter, c'est Estelle Fitz. Snapchat, c'est Estelle Fitz. Et sur YouTube, c'est So Urban Girl. Et d'accord. Facebook C'est So Urban Girl, c'est la page. So Urban Girl, le logiciel de So Urban Girl, très bien. Donc, ça, c'est. Quelle est ta chanson préférée? On nous demande de Lolita, ça va être le moment de chanter. Alors, donc, qu'est-ce que tu pourrais nous chanter en anglais ou mais en français? Mais je ne sais pas, je vais chanter en anglais, mais je ne sais pas quelle musique. Moi, tu sais, on a tout eu sur ce plateau, tu peux tout nous chanter, ce qui te vient par la tête. Hein, du Justin Bieber comme du Rihanna en passant par Jacques Brel, bien Serge Gainsbourg, Céline Dion. Oh, Johan aime beaucoup quand les gens chantent Céline Dion. Si, si j'oublie les paroles, c'est pas grave. C'est pas grave. Ok. When I get to Warwick Avenue, meet me by the entrance of the tube. When I get to Warwick Avenue. Et je sais plus. Mais c'est déjà super! Bravo! Johan, c'est super! Je crois que je me suis répété, mais c'est pas grave. Mon Jojo, t'as trouvé ça dément, non? T'as trouvé ça, c'est génial, elle revient quand elle veut chanter. J'ai envie de dire qu'elle a tout, elle a le style, elle a les cheveux roux qui lancent des flammes. Elle a tout ce qu'il faut, voilà. Eh, Johan, si je puis me permettre de te dire, je trouve que tu es très frais, t'es très bonne humeur et t'as l'air très reposé aujourd'hui. Bah, c'est-à-dire que pour une fois, j'ai bien dormi, tu vois, et ça fait du bien. Alors, ça se voit. Des petits messages? Oui. Oui, vas-y, bonjour, vas-y. C'est sûr, hein, parce qu'il y a des trolls là qui c'est pas grave, en plus, on nous demande sur le chat live où est-ce que tu réponds sur Snapchat. Donc, c'est gulive-du-milieu officiel. Okay, je balance, c'est parti là, boum. T'es magnifique, trop magnifique ce chat. Très bien, on est ravis, on plus soit. Il est mignon, c'est vrai.